cette deuxième édition du trophée Anamac, qui est réservé aux porteurs de petits projets d'investissement, a connu un grand succès, puisque nous avons enregistré 1950 candidatures à travers tout le Royaume. Et la phase finale, qui a été organisée aujourd'hui au siège de la banque à Casablanca, a réuni 50 candidats qui ont concouru à la finale devant un jury national composé de 6 personnalités très compétentes dans le domaine donc de la très petite entreprise. Et devant le succès qu'a connu cette deuxième édition, nous sommes passés de 3 à 15 prix. 3 prix nationaux, un prix pour la meilleure création d'entreprise, un deuxième pour la meilleure innovation et un troisième qui concerne le développement durable. Et aux côtés, parallèlement à ces 3 prix nationaux, nous avons sélectionné le meilleur projet par région du Royaume et nous avons octroyé 12 prix de porteurs de projets pour les 12 régions que compose donc le Royaume. Et ça a coïncidé avec les journées portes ouvertes qui ont démarré aujourd'hui et qui vont durer 3 jours. Et les journées portes ouvertes font suite à tout un plan d'action de proximité avec les porteurs de projets, que ce soit les auto-entrepreneurs, les petits porteurs de projets et les petites structures, c'est-à-dire les petites sociétés ou les petites activités dans l'informel, pour leur dire que nos portes sont grandes ouvertes dans les 1200 agences que compose le réseau du groupe Petit Géré Wafa Bank, pour les écouter, exprimer leurs attentes, mais aussi mieux les orienter, mieux les encadrer, de telle sorte à ce que nous puissions apporter aussi des réponses à leurs attentes. Donc c'est une journée de proximité. Ça a très bien démarré aujourd'hui. Les échos de toutes les régions sont extrêmement favorables et nous continuons pendant ces 3 jours. L'essentiel pour nous, c'est qu'on donne un réel élan pour la promotion de la création d'entreprises et notamment les TPE, conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi qui se sont exprimées lors de son discours du 11 octobre dernier devant le Parlement. Et merci. Ce qui vient de se passer, ça a été une très très belle fête aujourd'hui, c'était la consécration de l'entrepreneuriat, de ces jeunes qui se lèvent le matin très tôt, qui travaillent, qui croient en leurs rêves, qui se battent au quotidien. Et donc c'est tout l'objet de ce concours, de ce trophée Anamac que nous organisons depuis 2 ans maintenant, pour justement mettre en exergue, mettre en lumière toute cette jeunesse, et il y a aussi les moins jeunes qui innovent, qui travaillent, qui développe leur activité. Donc ce concours, je le rappelle, s'est déroulé en 3 phases. Une première phase qui a consisté en un appel à candidature et alhamdoulilah, on a eu un véritable record puisque ce sont quasiment 2000 candidatures qui ont été enregistrées. Ensuite, après une première sélection, nous avons organisé une tournée régionale de l'Aïoun à Al-Husseima à travers une dizaine de régions du Royaume pour aller à la rencontre de ces candidats justement à travers des jurys locaux composés des chambres de commerce, des chambres d'artisanat, des CRI, des associations locales qui travaillent sur le terrain. Et donc on a sélectionné une cinquantaine à travers ces jurys régionaux indépendants, une cinquantaine de candidats qui étaient là aujourd'hui, qui ont passé toute la journée de 8h du matin jusqu'à, il doit être 19h aujourd'hui maintenant. Et donc tous ces 50 candidats ont pitché devant un jury national cette fois-ci. Et donc 15 d'entre eux ont été récompensés. Je rappelle qu'à l'origine, ce concours devait primer 3 rubriques, donc 3 trophées. Et puis, compte tenu de l'abondance des candidatures qu'on a eues, et puis surtout de la qualité des projets qu'on a vus à travers toutes les régions, on a décidé au sein du groupe de porter ce nombre de trophées à 15, avec en plus une douzaine de prix régionaux. Donc on a primé
un candidat parmi tous ceux qui étaient là, par région, parce que dans toutes les régions, on a rencontré des projets extraordinaires. Donc c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a vécu cette journée, en particulier la fin de la journée qui a été très émotive avec les interventions des uns et des autres. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents d'avoir bouclé cette première phase. Je dis première phase parce que tous ces 2000, comme l'a annoncé Monsieur le Président, tous ces candidats, qui sont enregistrés au départ, vont être accompagnés par notre réseau de Dalmon Kawil, par notre réseau de santé PE, pour qu'on puisse leur assurer la meilleure prise en charge.